bonsoir avec moi, humoriste et acteur. Bienvenue dans la 11e épisode avec moi, c'est Ado, humoriste et acteur à la découverte de l'amour. Oui, petite série, c'est Ado, Mada 972 avec moi, humoriste. Aujourd'hui, nous allons voir, c'est-à-dire dans cette petite série théâtrale, c'est-à-dire à la découverte de l'amour. Le titre d'aujourd'hui, c'est « À toi qui m'a brisé, perverte, narcissique hein? ». Donc, « À toi qui m'a brisé, perverte, narcissique ». Alors. Alors, comme je suis Netflix, on m'a fait quoi, je me prenais pour Netflix, donc profitez à vous abonner, c'est-à-dire, je vais aussi lancer mon abonnement, si vous voulez suivre la petite série, comme moi, je suis Netflix, je suis comme Netflix, je ne suis pas Netflix, mais comme je me prends pour Netflix, je suis comme Netflix, donc, je vais lancer l'abonnement, c'est-à-dire de la petite série. Et je vais laisser, dans mon machin, je vais lancer l'abonnement. Il faudra vous abonner, peut-être 5,90€ ou 2 machin, pour voir la suite, hein, parce que je me prends pour Netflix et puis les montrer toute qualité. Donc, pour ceux et celles qui parlent là, pour venir parler vos paroles inutiles, il faudra payer pour que vous payez un. Donc, puisque je suis Netflix, donc la petite série sera bientôt payante. Je vais la mettre payante. Hein? Donc, il faudra me payer. Hein? Messieurs, je vous fais monter, mais pas rester longtemps. Hein? Je vous fais monter, mais c'est pas pour rester longtemps. Hein? Je vous ai fait monter, l'invitation n'est pas passée. Hein? J'ai cliqué, ça n'a pas passé, donc je désolé. Alors, la 11e épisode, hein? À toi, ma chérie, qui m'a brisé, perverte narcissique, tu es une manipulateuse, tu es vraiment une manipulateuse, qui joue avec mes sentiments. Tu as soif de domination et de pouvoir, ma femme. Je t'aime plus que tu m'aimes, mon chéri. Notre histoire d'amour est triste, bel et bien triste, mon chéri. La voix, Imoïse, comment tu as crié moi là? Ma personne, Imoïse, je suis la voix, oui, ta conscience, la voix de ta conscience, la voix de ma conscience. Ah bon? Je ne savais pas que dans notre conscience était une voix. Tu veux dire par là, tu es une voix, tu es ma conscience et tu es capable de me parler comme quelqu'un peut me parler, n'importe qui. Oui, Moïse, c'est comme ça, je suis ta conscience, la voix de ta conscience qui te dicte les bonnes conduites, les bonnes choses à faire. Écoute-moi, Imoïse. Imoïse, ne l'écoute pas cette femme. Je veux que tu saches, Imoïse, qu'au contraire, tu es fort et courageux et qu'il n'est pas trop tard, je dis, qu'il n'est jamais trop tard pour repartir à zéro et te reconstruire une nouvelle vie, Imoïse, crois-moi,
Crois-moi, ma voix, écoute aussi. Toi qui me parles, j'espère que tu m'entends aussi, ma voix. Écoute bien ma conscience. Mais ma voix, mais elle est une perverte narcissique, ma femme, et qui a créé un climat de peur et de terreur dans notre couple. Elle est une maniaque du contrôle à tel point que notre couple, je dis bien notre couple, est devenu une prison comme un cachot pour moi qui me suis laissé prendre dans les griffes de son petit jeu, de son petit manège, la voix. J'ai l'impression, vraiment l'impression, de donner beaucoup plus que je ne reçois. C'est pas normal, ça. Non. Vraiment, mon mari, il se moque de moi. Ma chérie, ton amour est devenu un jeu malsain. Tu es toxique et même dangereux pour nous parce que je suis tombé entre tes mains mauvaises, ma chérie. Franchement, moi, ma chérie. Imoïse, la conscience te parle. Imoïse, dans un couple, l'équilibre important né de la sincérité et de la réciprocité entre vous. Moïse, ma voix, c'est vrai ce que tu me dis, ma conscience. Je vais t'écouter, mais notre histoire est banale, ma chérie. Le rapport de force s'est invité. Et voilà, je me trouve en situation de dépendance affective, ma chérie, de cet amour
Je pense à moi, ma chérie. Oui, à moi, avant tout. À tous les hommes brisés aussi. Entre hommes, c'est notre devoir d'être solidaire aussi. Autant que les femmes entre elles. Oui, je pense à moi, premièrement, mais aussi à tous les hommes brisés aussi, comme moi au pire, ma chérie. Lorsque notre histoire a commencé, mon chéri, tu avais l'air simple et naturel. Mon chéri, faisons le choix de ne rien précipiter, mais de donner une vraie chance à notre relation pour la laisser devenir une véritable histoire, mon chéri. Quand je t'ai rencontré, ma chérie, je ne pouvais pas imaginer un seul instant, une seule seconde, que tu allais devenir la pire histoire de ma vie, la pire des histoires de ma vie. Ma plus grande peur, et tu as envahi mes journées et mes nuits de sombres cauchemars, terribles et terrifiants, ces cauchemars. Oui, je dis, ces cauchemars où je me serais difficilement, parfois en sueur, parfois en larmes, que des larmes et des pleurs. Et c'est du passé, tout ça, mon chéri. Arrête de gueuler. Pourquoi tu te plais si avec moi t'es pas heureux? Ça te suffit pas? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah! Écoute, c'est du passé. Et c'est ce qui s'est passé, du moins. C'est ce que je pensais jusqu'à présent, mon chéri. Enfin, pour être plus juste, ce que je croyais jusqu'à il y a quelques semaines déjà, mon chéri. Non! Qu'est-ce que tu racontes? Ma chérie, écoute! Qu'est-ce que j'écoute? Il faut que tu écoutes, ma chérie. Il faut apprendre à écouter. J'écoute pas, je te dis! Il faut que tu comprennes aussi! Qu'est-ce que j'ai à comprendre, ma chérie? On va pas se gueuler. On va se gueuler si la femme! Ma chérie! On est des gens civilisés, donc comportons-nous en tant qu'être des gens civilisés. Écoute, ma chérie, comme je disais, non, tu es entré dans ma vie et j'ai cru réellement, oui, j'ai vraiment cru en toi, ma chérie. J'avais rencontré, enfin, la bonne personne, une femme de bien, la femme idéale pour moi, tellement que tu m'as montré un visage d'ange, un visage angélique, ma chérie, gentille, prévenante, attentionnée, drôle, douce, mais
ce que je ne voyais pas, j'avais pas pu. L'agneau que tu étais, oui, l'agneau, je dis, l'agneau n'était en fait que loup, un loup déguisé, un vulgaire loup déguisé en agneau pour mieux appréhender sa proie. Oui, ma chérie, tu le sais, c'est comme ça que tu agis. Pourquoi tu dis ça? Je n'agis pas comme ça. Oui, je t'ai dit, tu agis comme ça. Arrête de gueuler. Je ne gueule pas, ma chérie. Écoute-moi. C'est la communication qui amène, c'est-à-dire la simplicité. Quelle simplicité, mon chéri? Je connais pas ces mots-là. On est en couple, on est mariés. Est-ce que tu comprends cela? Ma chérie, je comprends cela. Normal. Normal, j'espère pour toi. Parce que moi, je rigole pas, mon chéri. Je mets les points sous les i pour toi. Est-ce que tu comprends? Ça m'énerve pas, mon chéri. Tu vois? Tu comprends? Tu es gentil à ta place. Mon chéri, ma chérie, il faut être compréhensif dans la vie. Oui, compréhensif. Écoute, mon chéri, je ne veux pas que cela se transforme en des doutes, en des doutes, en des doutes entre nous. Non, en des doutes d'angoisse, mon chéri, et de questions. Sans réponse, non, non, jamais, je ne veux pas cela au sein de mon foyer, tu me comprends? Voilà pourquoi j'ai décidé de te parler justement. Est-ce que tu peux comprendre ça? De te parler. De me parler? Oui, de te parler, je t'ai dit. Tu veux me parler? Justement, ma chérie, parlons-en. On va parler. Pas de souci, ma chérie. Parlons-en, écoute bien. De me parler à moi. Me parler de quoi, ma chérie? De te parler de la situation qui va en ce moment. Tu rates, tu me regardes même pas. Tu me touches même pas. Il n'y a même pas un petit mot, toujours la même chose. Qui se répète. Tu sais même pas réinventer notre intimité, notre couple, notre dialogue, nos sorties et les enfants. Tout cela, tu les as oubliés, mon chéri. Non, je n'ai rien oublié. Ma chérie, écoute, je suis tombé amoureux de toi. Sous ton sourire, charmeuse, ma chérie, tu cachais en fait tes crosses acérées comme un loup et tes mains qui prenaient gentiment la mienne, des griffes qui m'ont blessé, ma chérie. Justement, qui m'ont blessé, ma chérie, au plus profond de moi-même. Je ne vais pas tourner autour du pot, mon chéri, plus longtemps. Non, cela n'a aucun intérêt, tu comprends? On va se parler, franchement, se dire les choses. Ce que j'espère, c'est que tu comprendras mes sentiments sans le juger et que tu pourras m'apporter une réponse claire et nette parce que cela fait depuis un moment. J'attends ta réponse. Tu me dises clairement les choses, mon chéri. Mais
chérie, je t'ai déjà dit les choses. Non, tu ne m'as pas encore dit les choses. Moi, je vais entendre ta bouche. Si tu me trompes, ma chérie. Ma chérie, calme-toi, calme-toi. On a déjà en parlé. Pourquoi tu t'emportes ainsi de la sorte? Maman, ma chérie, tu dois comprendre, c'est tout ce que je demande, de la sincérité, ma chérie, et de la compréhension. Mais, évidemment, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Personne ne le pouvait, même pas moi. Alors, voilà, depuis plusieurs mois maintenant, voire même quelques années, j'ai la désagréable sensation que notre couple est en danger, ma chérie. Cela fait combien de fois, je te le répète, ma chérie, notre couple est en danger, mais tu refuses d'entendre raison, ma chérie. Écoute, ah bon, pourquoi, ma chérie? C'est seulement maintenant que tu t'en rends compte, ma chérie. Ce n'est pas donné à tous. Ce n'est pas donné, ma chérie, à tout le monde de pouvoir démasquer une perverte narcissique en un regard, en un geste, un mouvement, en un rien de temps, une rencontre, un rendez-vous. Il faut dire, ma chérie, que tu es forte, très forte à ce jeu-là, à ce petit jeu-là, puisque c'est ton mode de fonctionnement, ton mode opératoire même, ma chérie. Il y a comme un déséquilibre, mon chéri, entre nous deux. Je te l'ai déjà dit combien de fois, et tu ne fais rien, mon chéri. Mon chéri, comme si tu es moins concerné par nous deux, par notre histoire, mon chéri. Mais tu es là encore, n'est-ce pas, ma chérie, pour m'accabler ou quoi? De tous les mots possibles et imaginaires, jouer dans ma tête, gling, 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 gling. Tu comptes me rendre dingue, fou, ma chérie. Il faut que tu en arrêtes. Faut que tu arrêtes, ma chérie, pour m'envoyer, ma chérie, encore une fois, une culpabilité sans nom ni visage, ma chérie. C'est quoi cette façon de faire et de dire qui n'est pas normale du tout? Non, c'est pas logique. Ta façon de fonctionner et de raisonner, ma chérie, j'en refuse maintenant. Pour faire simple, mon chéri, même si cela me semble péril, énoncer ainsi. Ma chérie, repérer ta voix, la mettre en confiance pour ensuite la voir à ta merci. Alors arrête tes caprices, ma chérie. Arrête tes caprices, tes prises de tête sans raison. J'en ai marre, vraiment marre, ma chérie. Il y en a ras-le-bol par-dessus la tête. Ce n'est pas une caprice, écoute-moi bien. Ce n'est pas une caprice, mon chéri, de petite fille, non. Et je ne suis pas là pour compter les points entre nous comme si c'est un match de
c'est pas un match de boxe ou un match de foot. Mon chéri, je sais que tu aimes le foot à la télé, mais arrête de nous comparer comme des équipes de foot qui s'affrontent pour voir qui est le meilleur, qui est le plus fort, la plus forte. Non, c'est pas un match de foot. Mon chéri, est-ce que tu comprends? Nous sommes, ma chérie, différents. Eh oui. Écoute, c'est très bien ici, mon chéri, dans nos façons de penser et d'agir. C'est normal. On n'est pas des clones non plus. On n'est pas des robots pour fonctionner de la même façon, voir les autres aussi de la même façon. Non! On est totalement différents parce que moi, je suis une femme, tu es un homme, je suis la femme et tu es l'homme. Donc, on ne peut pas voir les choses pareilles. Mon chéri, réfléchis un peu de ce que j'ai dans ta tête et moins d'énergie dans les mix. T'es pas Monsieur Mix ou Monsieur Miss Claire. Donc, il y a autre chose que ça. T'occuper de ton foyer, de ta femme et de tes enfants. Ça, c'est très important pour l'homme de le faire. Ma chérie, tu sais, prends ton temps, je le sais, prends ton temps. Quand accélérer, je n'en doute pas. Quand ralentir, encore moins. Et surtout, comment cacher ton vrai visage de manipulatrice et de perverte narcissique? Seulement, jusqu'à présent, nos différences fait notre complémentarité et notre équilibre, ma chérie. Mon chéri, c'est vrai, vraiment vrai ce que tu dis. Ouais, peut-être, ma chérie. Oui, c'est ça que tu racontes. On est complémentaires, mon chéri. C'est vrai, ma chérie. Mais détrompe-toi, au contraire, aujourd'hui, j'ai plutôt, ma chérie, l'impression qu'elle nous a éloignés l'un de l'autre et que la réciprocité disparaît peu à peu dans l'obscurité, dans le lointain, ma chérie. Et cela, mon chéri, m'attriste vraiment, je ne comprends pas pourquoi, mon chéri, on est arrivé là. Oh non, mon chéri, ce décalage est de plus en plus important, malheureusement. Ce qui se passe en toi, mon chéri, est ce que moi, qui interprète mal les choses, mon chéri. Non, ma chérie, j'ai succombé à ton charme sans me douter un seul instant. Oh mon Dieu, si je le savais. Qu'une fois que je t'aurais pris ma main, une fois que tu aurais pris ma main, tu ne me lâcherais plus, malheureusement, et que tu rendrais ma vie infernale aujourd'hui de la sorte. Je m'en abstiendrai, ma chérie. Tu te désintéresses à de notre histoire. Ces derniers temps, mon chéri, et j'aimerais comprendre pourquoi, mon chéri.
Ma chérie, je t'ai contrariété, agacée par toi. Malheureusement, c'est une question, ma chérie, de sentiment avant tout. Mais me voilà menotté à toi aujourd'hui, piégé avant même que je le sache, ma chérie. Mais ma plus grande crainte dans tout cela, évidemment, tu t'en doutes, ma chérie. Ah! Tes sentiments, c'est trop. Tes sentiments, c'est refroidi. Trop froid à mes yeux. Je sens une forme de tiédeur dans tes mots, mon chéri. Tes gestes, tes attentions auparavant. Tu étais beaucoup plus démonstrative. Avant tout, mon chéri. Ou, ma chérie, au début, certes, moi, je pensais que tu étais très passionnée, très exclusive. Et je ne croyais en ta jalousie et tes excès maladifs. Dès que des preuves d'amour, ma chérie. J'espère me tromper, mon chéri. Vraiment, je suis sincère avec toi, mon chéri. Vraiment sincère avec toi et que notre histoire compte beaucoup pour moi. Pourtant, tu dis cela, ma chérie, pourtant, je t'ai mis bout à bout les indices, les comportements, la situation. Je vais te donner cette impression de déjà vu, ma chérie. Après tout, je pense que ce n'est pas offert à tout le monde d'être aimé de la sorte, si fort, si intensément, ma chérie. Je te l'ai déjà dit, mais je te le répète. Seulement, je n'ai pas envie de me prendre la tête, pendant des jours et des jours, des mois, et peut-être encore des années, mon chéri. Non, ça, pas question, ce n'est pas pour moi, mon chéri. La vie va être vécue. Ah bon, tu le vois comme ça, ma chérie? Tu veux savoir si nous sommes encore sur la même longueur d'onde? Attends, ce que je sais pourtant, je n'ai pas su voir, et oui, ton petit jeu de manipulation pour me briser moi, pour me mettre en situation de dépendance affective, de faiblesse. Voilà la raison, mon chéri. Voilà la raison, mon chéri. J'ai essayé, malheureusement, de te parler. Mais, j'ai pas pu le faire. Je n'ai pas eu le courage de le faire.
comportement béat que tu as vis-à-vis de moi. Ma chérie, la discussion est difficile, bien difficile avec toi. Le courant ne passe pas, donc, passe pas, car pour me manipuler, je dis bien ma chérie, tu m'as contrôlé, tu m'as fait croire que je n'étais rien sans toi, rien que toi sans toi, que vaut rien sans toi, ma chérie. Ah, le seul, le recul des mots est plus facile pour aborder le sujet, mon chéri. Est-ce qu'on pourrait parler sincèrement de tout ça ensuite, mon chéri? Et non, ma chérie, je mérite pas ces cris, ces refus, tes ordres, ta violence parfois, ma chérie. Tout cela, c'est trop, beaucoup trop pour moi. Et c'est dommage que tu en arrives là, ma chérie, pour te faire entendre. Ce qui m'importe, c'est la vérité, mon chéri, avant tout. Et j'ose espérer que notre relation compte suffisamment pour toi, mon chéri. Jésus, reste, ma chérie, je suis restée sincère avec toi jusqu'à maintenant. Quoi qu'il arrive, ma chérie, et malgré tout, t'as su m'isoler pour mieux me manipuler, ma chérie. J'en ai eu honte, ma chérie. C'est vrai, ma chérie. Pas de mensonge, pas de mensonge de Doty. On se l'est toujours promis, mon chéri. Alors, arrête. Et en même temps, j'avais vraiment cru que c'était de ma faute, tout ça. Et en même temps, j'avais vraiment cru que c'était de ma faute, tout cela, ma chérie. Mais alors, alors, j'ai fait taire ma honte au profit d'une fausse culpabilité, ma chérie. Dans un couple, cela arrive que le aime plus que l'autre, mon chéri. Et justement, c'est le cas, c'est ton cas. Je t'aime plus que tu m'aimes, mon chéri. Je me soucie plus de toi que de moi. Plus de ton bien-être que de mon bien-être. Ah bon? Je ne sais pas si c'est vrai, ma chérie. Si c'est le cas pour nous, non? Qui me dit si le cas c'est vrai? Ce sont que des mots qui sont là, ma chérie. Oui. Ah, mon chéri, tu le prends comme ça? Ah bon? Ma chérie, tes chantages affectifs est devenu ton mode de communication favorite. Tes menaces, parfois déguisées, parfois limpides, pour me faire perdre confiance en moi. Je souhaite une relation équilibrée et sincère avec toi, mon chéri. Tu as imaginé, ma chérie, tu as insinué en moi, ma chérie, cette fausse impression que je mérite tes colères,
Mais non, c'est faux. À partir d'aujourd'hui, je n'accepte plus cela, ma chérie. Non, pas question. Mais je fais tout ça pour toi. Rien que pour toi, mon chéri. Qu'est-ce que tu racontes là, ma femme? Il faut dire que tu sais t'y prendre, c'est tout. Vraiment t'y prendre. Comment ça? Comment ça? Je sais m'y prendre, comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Rappelle-toi, ma chérie, quand des fois tu dévoilais ton vrai visage, le problème, tu remets ton masque et je ne sais plus qui tu es. Douce, enjolieuse, manipulatrice, gentille comme un agneau. Je fais ça pour toi, mon chéri, et à cause de toi. Je t'aime beaucoup trop. Et c'est toi qui ne sais pas m'aimer, c'est tout. C'est toi, réellement, qui ne sais pas aimer, qui ne sais pas m'aimer. À ma juste valeur, comme il faut. Mon chéri. Ah bon? Maintenant, c'est moi? Alors, qui ne sait plus t'aimer? Ou qui ne sait pas t'aimer? C'est de ma faute. Alors, quoi? C'est moi de me mettre. C'est moi de me remettre en question ou à quatre pattes à te supplier, ma chérie. C'est tout ce que j'ai toujours voulu dès le début. C'est toujours ce que j'ai voulu dès le début, mon chéri. Ah bon, c'est maintenant tu me l'apprends. Mais on voit, ma chérie, le résultat. Je m'en excuse alors que je n'ai rien fait, ma chérie. Alors quoi? Alors, parle-moi, dis-moi, mon chéri. Te dis quoi, mon amour? Tu parlais de quoi, justement? Écoute-moi bien, ma chérie. Quelque chose a changé et quelque chose ne va plus entre nous, au sein de notre relation, de notre foyer, de notre vie maritale. Désolé, je suis vraiment désolé, je m'en excuse quand même, comme si j'étais coupable de ta colère, de ta méchanceté, de ta folie. Ma chérie, je n'ai pas laissé installer le malaise ni aucune distance entre nous, mon chéri, justement. Et en plus, tu ne me laisses pas plus réfléchir, ma chérie. Je suis un homme, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du temps, d'avoir du temps. Oh, du temps, mon chéri. Besoin de prendre du temps, vraiment du temps. Et pour réfléchir et avoir des doutes, ma chérie, c'est normal pour un homme. Ah, je t'embrasse, mon chéri.
Excuse-moi, écoute-moi une fois de plus, ma chérie. Je pense sérieusement, à partir de maintenant, non, tu sais y faire. Et une fois de plus, je reste prisonnier de toi, persuadé que je le mérite, ce qui se passe et surtout que c'est de l'amour. Non, ce n'est pas de l'amour, ça. Non, non, non. On a failli, ma chérie. Je prouve-moi que tu m'aimes. Ou laisse-moi, mon chéri. Ah bon? C'est comme ça, tu le prends, ma chérie. Écoute-moi, peu à peu, j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Non, n'est-ce pas? Vraiment, cela te ressemble et te vantage. Cela te ressemble et te vantage, mais cela s'avère nécessaire pour faire avancer notre histoire, mon chéri. Mais à ce moment, dans notre couple, il n'y a pas d'autre solution. Non, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution pour te faire réagir, mon mari, te poser un ultimatum. Seulement, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus, vraiment plus où j'en suis avec toi, car tu as brisé ma confiance en toi. Tu as su fausser la vérité et me faire douter de tout, absolument de tout, mon amour. Écoute, c'est l'espoir de déclic, de l'électrochoc, madame Pidim. C'est mon dernier espoir et recours pour arranger la situation avant la rupture pure et brute, mon chéri. Je t'ai justement posé un ultimatum, ma chérie, pour que tu tiennes enfin tes promesses, que tu changes de comportement, que tu me montres ton amour, tes vrais sentiments à mon égard. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler, ma chérie. Cela ne peut plus continuer ainsi. Tu t'es jamais vraiment investi dans notre couple et ni dans la vie de famille, mon chéri. Mais je ne crois pas, parce que tu m'as brisé en mille morceaux miettes, que tu m'as détruit, je dis bien détruit, mon chéri, ma chérie. Il ne reste plus rien de notre histoire, de notre amour, plus rien dans ma vie. Ne crois pas que cela m'enchaîne pour autant ce qui va suivre, mon chéri. Mais je n'ai pas d'autre solution à ce conflit maintenant, à l'heure actuelle. Non, trop c'est trop. Mais
c'est grâce à ma force que je suis encore là, ma chérie, capable de comprendre que la femme, oui, je dis bien la femme, que la femme que je suis tombée amoureux, en fait, n'existe pas, non, n'existe pas, n'a jamais existé, malheureusement. Et je suis peut-être naïf, mon chéri, naïf, qu'une vraie conversation, ça vaut mieux de ma part, ça aura plus d'impact, mon chéri, qu'un SMS, un petit SMS, ou un SMS, ou un idiome message vocal, sur WhatsApp, ou par email, ou SMS. Non. Oui, ma chérie, je suis peut-être fort, courageux, peut-être pas non plus autant comme tu le penses, ma chérie, intelligent, mais pas du tout. Mais par contre, debout, oui, ma chérie. Te parler, j'ai essayé, mon chéri, mais cela n'a pas l'effet espéré, mon chéri. Alors oui, j'espère que cette discussion te servira de déclic, de déclin, mon chéri, car je suis réduit à ça, mon chéri. J'espère, moi aussi, que tu comprendras, ma chérie, enfin, que je ne peux pas continuer comme ça, ainsi. Tu me fais du mal, vraiment du mal, de la peine, mais tu m'as enchaîné à toi, ma chérie, ma femme, et t'as brisé ma confiance en toi. Tu ne m'as pas encore mis à terre, heureusement, ma chérie. Et c'est ce que je retiens, mon chéri. Ah, vraiment, les femmes, pas facile, hein, la vie de couple. Mais j'ai eu la force, ma chérie, de partir, de sortir de ton emprise, de tes griffes. Je mets à jour ta perversité, ma chérie, ta manipulation, tes violences parfois. On devait s'aimer, mon chéri, comme des fous, à la folie. Et au final, je dis bien, on se fait du mal, que du mal, mon chéri, rien d'autre, et pas du bien. Pas normal, mon chéri. Ce n'est pas normal, exact, ma chérie, ce n'est pas normal et courant, ma chérie, chose commune, de s'abîmer ainsi. Non, l'amour, ce n'est pas ça. Et tu l'as compris, peut-être. J'attends des choses de ta part, mon chéri, des choses qui ne viennent pas, qui ne viennent jamais, 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 mon chéri. Tu veux que je fasse quoi? Et
j'ai réussi à m'enfuir, ma chérie, à me sauver. Tu ne peux plus me faire de mal, ma chérie. Me rabaisser, me manipuler ou te moquer de moi de la sorte. La honte, la honte, mon chéri, et la culpabilité. Me coupable encore, parfois, mon chéri. Excuse-moi, ma chérie désolée, mais de te le dire, compagne de cauchemar et d'insomnie, vraiment d'insomnie, tu alimentes mes mauvais souvenirs et conditionnes encore ma vie. Notre couple est devenu fragile par ta faute, mon chéri. À quel point il peut exploser à tout moment. Ah, mon chéri. Je suis devenu méfiant, trop méfiant. Et c'est pas normal. Cela maigrit et me rend la vie éthique, ma chérie. Où est ce dominateur qu'on met l'amour, les mots, les gestes, les petites attentions, les actes et les preuves d'amour, les belles preuves d'amour, mon chéri. Laisse-moi te dire, ma chérie, un peu de temps, ça vaut mieux. Pour guérir de tout ça, malheureusement, autorise-moi ce temps. Autorise-toi, mon chéri, autorise-toi ce temps. Prends ce temps nécessaire pour faire le deuil de tout cela et reviens-moi vite. La voix, Moïse. Demande, Moïse, demande de l'aide si besoin. Moïse, demande de l'aide si besoin. Ne te renferme pas sur toi-même. Ne t'isole pas, Moïse. Ne laisse pas tes sentiments. Ne laisse pas tes sentiments de honte, de fausse culpabilité, infondée. Le gagnant, c'est toi, Moïse. Aïe pour toi, Moïse, de la bienveillance, de l'empathie, de la possibilité. Nourris-toi d'elle, Moïse, d'elle, de tout cela avant tout. Pour avancer dans ta vie et sortir de cette situation de merde. Oh, ma voix, je t'ai entendu. Ma voix, je sors grandi et renforcé de cette épreuve. Au contraire, cela m'a ouvert les yeux, la voix, ma conscience. Et cette expérience n'est pas un aveu de faiblesse, ni un témoignage anodin, la voix, non. Écoute, mon chéri, la preuve, tu as les ressources nécessaires pour reprendre ta vie, en main. La voix, Moïse, n'oublie jamais. N'oublie pas que tu es un homme fort et indépendant, un homme extraordinaire, un homme résilient, pas un homme brisé, non, Moïse,
mais un homme accompli, un homme de renaissance, Moïse. Elle. Est-ce que tu sais ce que j'attends de toi, mon chéri? C'est que tu me prouves que tu m'aimes, que tu me le dises, me l'écrives, me le dises. Mais le monde, je suis devenu à te supplier, si ce n'est pas tristement pathétique, mon mari. Voilà, c'est pas normal, mon mari. Les hommes, ils n'ont rien à foutre, rien à faire des femmes. Hein? Après, ils disent, c'est les femmes qui sont méchantes. C'est ma femme, c'est pas qui fait à manger. Elle sait pas faire la cuisine. Elle sait même pas repasser. Ou même la faire la lessive. Oh là là, tous les tâches, c'est pour nous la femme. On se tue, malheureusement, à la tâche, hein, comme une tâche, justement. Seulement des transparents. Bon. Eh bien, c'était la 11e épisode. Hein. On va se retrouver, je ne sais pas, peut-être demain matin pour la 12e épisode. Eh bien, que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas encore quelle petite série théâtrale qu'il y en aura. Mais bon, comme je vous dis, ne ratez pas ça. Bientôt, je mets la petite série payante. Puisque comme on m'a dit, je suis Netflix. Je ne veux pas pour Netflix. Donc, je vais commencer à chercher sur TikTok comment je peux mettre mon truc payant. Ouais, il faut que je me renseigne comment mettre mon TikTok payant parce que je suis Netflix, on va dire. On m'a dit, je me propose Netflix, donc autant, parce que je sais que sous Netflix, les choses ne sont pas gratuites. Quand tu veux voir une série, tu veux voir un match, quel que soit ce que tu veux voir, c'est pas gratuit. Tu dois payer, je crois, 2 ou 80 machins pendant un temps, et puis après, je ne sais pas le tarif. Donc, je vais regarder comme je me propose Netflix et puis je m'en les fais comment pour ça m'en payer toute qualité. Donc autant aussi mettre cet ado payant puisque je me propose ce que je suis payé, ben autant aussi m'en comment pour ça m'en payer mettre payant aussi. C'est pas ce que je fais. C'est pas ce qu'on m'a dit je fais. Eh bien, je vais voir ça. Je vais voir ça plus tard. Là, il faut que je parle. Mais on verra ça plus tard. Hein? Donc, je vais mettre payant. Ça va être payant. Il faudra payer, je crois, 2 ou quelques. Mais je vais mettre payant. Puisque on m'a dit je me prends pour net. Ça m'a pas été tout cas, machin. Donc, à l'avenue, cette personne qui a parlé, quand il voudra venir voir un truc, suivre la petite série, il faudra qu'il paye. Déjà, même, il regarde. Peut-être en sourdine, il ne paye rien. Et il vient, il monte sur mon TikTok. Au lieu de, il ne m'envoie pas même des cœurs. Déjà, il n'envoie pas de cœurs. Il ne me donne même pas 1 centime d'euro, vous voyez, même pas 1 centime d'euro, et qu'est-ce qui vient ouvrir sa bouche? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas de quoi lui se plaint, parce qu'il ne me paie pas. Le gars, il ne me paie pas. Le gars ne me donne pas 1 centime. J'ai donc, c'est pas comme s'il me donne de l'argent pour que je fasse un truc et puis il se plaint. Oui, je te donne. Mais le gars ne m'a rien donné. Je ne comprends pas. Le gars ne paie rien. Je comprends pas. Moi, j'ai du mal à comprendre. Ça veut tout son comportement. Woman, si tu avais payé un truc, tu te plains peut-être, mais tu n'as rien payé. Et tu viens me dire des choses. Je comprends pas. Pourquoi faire 600 cap qui capitent en tête, si c'est qui ça?
Moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre les noirs. Comme je dis, j'incline pas tous les noirs, mais certains noirs, j'ai du mal à les comprendre. Je suis noir, mais j'ai du mal à comprendre certains noirs, certains nègres. Parce que il reste là et puis te dit arrêtez, bégaye ou comme si je comprends pas. Je fais mes affaires, je t'ai rien dit. Donc, et comme je lui disais, tu me dis arrête mes affaires. Si j'arrête, il faut que je trouve autre chose à faire. Et si m'arrêter, c'est bégaye ou m'en finit fort là, bégaye content. Tu comprends? Je fais mes affaires tranquilles, j'opportune personne, je dis rien à personne, même si je parle avec moi, même quand il n'y a personne qui me regarde, machin. Je continue à faire mon délire, mais je ne t'ai rien dit. Mais tu me dis d'arrêter pour aller côté. C'est ça que je te dis, pour aller faire quoi? Tu trouves que là, je ne suis pas bien. Il ne faut pas bien. Il faut aller voler avec les gens. Il faut aller faire chercher mon Nadia. Il faut aller chercher. Oui, pas moi. Je suis sur mon TikTok, je n'embête personne. Hein. C'est mes affaires que je fais. Si tu te sens merdé, c'est parce que c'est toi qui es monté sur mon TikTok. Comment? C'est pas moi qui suis venu sur ton TikTok pour te chercher. Ben, c'est où qui montait? C'est toi qui montes me chercher des problèmes. Donc, moi, ce que j'essaie de lui faire comprendre, tu vas voir quelqu'un faire du coup, il arrête, mais il arrête. Demain, il va aller faire quoi? Peut-être qu'il va aller fouler, peut-être qu'il va aller tuer le monde, peut-être qu'il va aller braquer. Mais tout ça qui arrive à cause de ta faute, c'est arrivé à cause de ta faute. Parce que tu l'as empêché de faire ce qu'il a fait. Donc maintenant, il n'a plus de préoccupation. Peut-être qu'il va aller se mettre dans un gang, peut-être qu'il va aller voir des amis, mauvais amis, qui va l'entraîner à faire des choses. Peut-être qu'il n'est pas arrivé. Mais après, vous vous plaignez dans le pays. Vous vous plaignez. Vous vous plaignez d'après ça. Mais tout ce que les gens font, vous les dénigrez. Ou tu viens me dénigrer, au lieu de m'encourager, dis, eh bien oui, même si ce n'est pas super ce que tu fais, mais au moins, toi, tu t'occupes quand même. Hein? D'aller peut-être aller ici, peut-être aller faire ça, quand tu as yogadi, tu as yogadi, arrêtez de voler les gens, aller la pêche. Oh, tu dis oui, mais si tu essayes de faire quelque chose, eh bien, je lui donne une force. Peut-être qu'il peut arriver. Peut-être qu'il n'est pas Brad Pitt, il n'est pas machin, ni machin DiCaprio. Mais il essaye quand même. C'est sous TikTok. Je lui donne une force. Tiens, quelques pièces, quelques machins pour l'encourager, même si c'est pour aller prendre des cours de théâtre ou de machin pour améliorer ou bien même pour qu'il j'améliore. Non, il n'y a pas ça. C'est des critiques, que des bêtises, que des insultes et puis que des accusations. C'est ça votre problème, les Noirs. C'est pour ça les Chinois réussissent, les Américains, les Blancs, vraiment, les Arabes, tous ces gens réussissent mieux. Vraiment, les Africains, quand on regarde le nombre d'Africains qui sont millionnaires, milliardaires, de Chinois, d'Américains, où est-ce que tu as vu un à part, on nous parle d'un seul Martiniquais, mais là qu'il y a des milliers, mes frères. Alors, vous revenez sans rendu. Ouais, parfois les bégayes, mon plus force, mais justement, c'est ça que j'essaie de lui expliquer. Tout le monde, même quand je suis au mal, les gens disent, c'est mon carton, il dit, pas pour les bégayes, moun. Allez, la pêche, plutôt. Pas pour les bégayes, moun. Tout le monde dit ça. Donc, si je vois quelqu'un sur son TikTok faire un truc, ça m'emmerde pas. C'est pas bégayes, moun, qui allait voler. Si il allait voler tes affaires, ou t'es qu'il ferait tout chaud, t'es qu'il cherche physique, peut-être pour foutre tes ballons encore, ou bien battre, chercher pour foutre tes coups en dessous, tabasser. Mais quoi, bon, c'est comme un gadou là. Donc, pourquoi venir emmerder les gens qui font leur TikTok, qui vous ont rien demandé? TikTok, c'est fait pour ça. TikTok, c'est fait pour faire des trucs théâtrales, la danse, l'humour. Les gens qui viennent sur TikTok, ils viennent pas pour des choses sérieuses. Les gens qui viennent sur TikTok, ils viennent pour s'amuser. Les gens, par exemple, apprennent toujours de travailler, comme l'autre disait. Lui, il a besoin de se détendre. Il a besoin de rigoler.
il n'a pas forcément besoin d'apprendre ça ou faire quoi. Oui, il faut un truc strict, il faut venir lui faire la morale ou à bégayer ou à. Oui, je parle de spiritualité. Mais moi, j'avoue, il y a des fois, j'aime bien les trucs humoristiques. Je regarde ça, beaucoup les plein d'autres bégayes. Je regarde des films comiques, ça me fait rire. Ça, parce qu'il y a des fois, je me prends. Il y a des fois, même moi, je réfléchis. Je suis seul, je me prends la tête pour que. Donc, des fois, je regarde un truc comique là tout de suite, je commence à rire, j'oublie. Je peux pas, même si je suis un homme spirituel, c'est pas tous les jours que je regarde des trucs spirituels parce que il y a des fois, il faut un peu de tout, il faut rigoler, regarder un petit film qui me fait rêver, même les films hollywoodiens, je regarde, hein. Mais si les films romantiques, t'as là, même si c'est pas la réalité, mais ça m'arrive de regarder ça avant. Des belles films romantiques, tu vois, belle histoire, que des trucs, Fomblan qui était bougal à la fin, l'espère. Mais, mes frères, je suis un humain, tu crois que je rêve pas aussi, je rêve. Je sais que il y a peu de chances que ça devienne réalité, mais je ne vais pas me voiler la face comme si je suis un humain et puis je regarde pas les films d'Hollywood. Mais je suis un humain, frère. Même si je sais que ce n'est pas vrai, mais ça me donne l'espoir parfois de tenir, ça m'aide à m'accrocher. Mais après, je redescends sous terre en sachant que ça, ce n'est pas la réalité. Mais on a tous besoin de quelque chose pour se reconnaître dedans. Une histoire, une belle histoire, quand tu vois à la fin, ils vécurent, ils ont eu des. Même si on sait que ce n'est pas vrai. Mais on ne va pas se mentir, frère. L'espoir fait vivre. On a tous besoin d'espoir, mais c'est pas une question vraie ou pas. C'est juste une question, comme je disais, c'est juste une question, mes frères. On a tous besoin de ça. On a besoin d'avancer. Hein. Alors là, moi, je vais partir hein, parce que l'heure est arrivée. Je vous dis, eh bien, ne ratez pas la suite, c'est-à-dire avec moi, Humoriste, cet acteur, cette petite série à la découverte de l'amour. Hein. Ben, comme je vous dis, vous trouvez des scènes, hein, des vraies scènes que vous pouvez rencontrer dans la vie de tous les jours. Hein. C'est des choses que vous pouvez vivre en couple et puis vous ne savez pas comment y faire face. Quoi. Parce que ça arrive, hein, quand on est en couple, on n'arrive pas à faire face à. Je préfère te voir comme ça maintenant. Ouais, je suppose la plupart des gens aimeraient me voir comme ça. Mais sauf que là, je ne suis plus dans là, c'est autre chose. Donc c'est ce que je vous dis que vous mélangez les choses, vous pas mélanger. Hein. Hein, quand je fais émission, je suis moi-même, mon visage, machin, je suis pas caché derrière, je suis normal. Mais lorsque les gens ils font les films, ils sont pas normal. Il y a des mascaras, il y a des modifications, leurs visages sont parfois ils peuvent grossir, ils peuvent maigrir, ils peuvent. Donc il y a des trucages, il y a des choses. Hein. Sinon le film n'est pas bien. Un film par exemple que tu postes le film il peut pas être tout le temps comme ça. Donc il faut pas confondre les choses hein, parce que comme je dis les gens, arrête de mettre cet ado des filtres. Arrête de mettre des filtres. Ben bon, moi, comme je dis, si tu le dis, c'est triste. Moi, c'est que je sais, il faut que moi je parle là, travailler. Il faut que je parle là parce que l'heure arrive sous moi. Donc, je vais aller m'habiller pour que je parle. Ben, je vous dis peut-être à ce soir, hein, parce que j'ai pas encore fait c'est à dos un live. J'ai pas encore fait de live pour parler de spiritualité, mais bon, c'est la nouvelle année aussi. Bon, je ne veux pas venir tout de suite aussi prendre tête monde. Tu vois, donc, moi-même, la nouvelle année là, moi, c'est sans prise de tête. Hein. Tu vois, moi, je commence cool. Même entraînement, je m'entraîne pas trop. Hein, c'est une nouvelle année. Bon, je prends petit à petit. Hein. Et puis, au fil des mois, si nous on est là, je regarde comment les choses se passent, quoi. Je regarde déjà comment ma vie évolue, les choses évoluent dans ma vie, quelle tournure. Je ne vais pas l'année à commencer, je vais foncer comme un mulet sans intelligence. C'est pas, non, il y en a qui continuent comme l'année dernière. C'est une nouvelle année, en plus c'est trois. C'est une année de chance. Donc il faut que je saisisse ma chance cette année.
parce que c'est une année de chance, d'opportunité. Jésus est mort, ressuscité le troisième jour. Hein. C'est un signe de résurrection, ça. Donc, dans une telle année comme ça, on n'a pas ça tous les jours. Donc, il faut que je prenne mon temps pour bien réfléchir aussi à mes nouvelles résolutions. Là où je veux aller, moi, pas l'aller. Il faut pas. 2022, c'était 2022. On est en 2023. On va pas continuer 2023 comme si c'était 2022. Donc, sous ça, je vous dis bye bye et puis ne ratez pas l'automne.